Ouais! Bonjour à tous! Bonjour! Je m'appelle Pollen! Et voici Coxie! Bravo! Bravo! On y va? Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! Et que la lumière fut! Oh! Oh! C'est parti! Ce soir, au quartier des sables, j'ai regardé le vol frénétique des étourneaux. Ils faisaient un ballet dans le ciel foncé de la nuit et se transportaient d'arbre en arbre. Ce soir, au quartier des sables, j'ai rapporté chez moi quelques feuilles de ces arbres. En allant par ces allées de platanes, par ces rangées de charme, par son alignement d'érable, par son chemin de buis, par son détour de sapin, par son couloir de pin et sa rue de prunus. J'ai rapporté chez moi des souvenirs, des sensations, des odeurs, des impressions, des couleurs. J'ai interviewé des habitants des sables. Pour qu'ils me racontent leurs arbres. Puis, j'ai interviewé les arbres des sables. Et ils t'ont répondu ? Bien sûr. Ouais. Ils m'ont dit... J'adore qu'on me prenne dans les bras. J'ai mal quand on me casse une branche. J'aime faire de l'ombre pendant l'été. Et en automne, j'aime voir les enfants sauter dans mon tas de feuilles. Et si je pouvais, je rêverais de décoller. 1, 2, 3, 4, 5, mise en feu! Ah! Ah oui, alors ça veut dire comptine. Comptine. Oh! Mais j'en ai une comptine, moi. Attends. J'en ai une comptine. Au pied du tilleul, hey! Il fait bon, fait bon, fait bon. Au pied du tilleul, hey, qu'il fait bon, fait bon. Ah, le tilleul, un arbre doux pour les amoureux. Pardon ? Tout semble doux et tendre dans le tilleul. Ses fleurs embaument les soirées d'été. Et les fleurs embaument puissamment. Et la forme de sa feuille a offert aux amoureux un emblème de fidélité. Le cœur. Enfin, tu me la rends après. C'est qui ? On a un cadeau. Tu voulais mon cœur. Ah non, il voulait pas mon cœur. Une dame du quartier des sables a dit: quoi faire avec le tilleul? Oui, dis donc, viens récolter ces fleurs, les fleurs de tilleul, et faites-vous une bonne tisane. Il y en a par là-bas, hein. Mais alors il faut les cueillir quand c'est à peine fleuri, quand vous entendez les petites abeilles faire. C'est le bon moment. Il faut aller les cueillir avec la petite drachmée. La petite drachmée. Hein ? Pas potager, drachmée. Non ? C'est la petite feuille qui va avec la fleur. Et vous faites sécher 2-3 jours. Et après, vous avez des bonnes tisanes. Et grâce à la fleur de tisane de tilleul, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. On voit, ça a un effet apaisant. Le tilleul est résistant. Oui. Tendre. Apaisant. Embaumant.
Protecteur. Voilà. Féminin. Oui. Hospitalier. Guérisseur. Oui. Bénéfique. Oui. Maternel. Oui. Emblème de fidélité. Et les amoureux. Les amoureux, oui, mais pas seulement. C'est aussi l'arbre des assemblées. Rendez-vous sous le tilleul, la 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 la. Rendez-vous sous le tilleul, la 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 la. La prochaine fois, le conseil citoyen se rendra sous un tilleul. Très bien. Donc il faut planter tout un tilleul. Et voilà, qu'est-ce qui se passe, madame, madame? Sous le tilleul, on délibère. Oui. Alors, comment on délibère? On discute les affaires de la commune. Oui. Alors, moi j'aimerais une augmentation de 10% sur ma subvention. On discute les affaires de la paroisse. On fait les ventes publiques. Ah, qui veut? Alors, pas très cher, 150 euros. C'est presque neuf. Non? D'accord. Okay. On proclame les annonces aux habitants. Mesdames et messieurs, le conseil citoyen. Au pied du tilleul, on rend la justice. On danse aussi. Petite danse villageoise à l'ombre du tilleul. Venez tout le tilleul, on y danse. Venez tout le tilleul, on y danse tous ensemble. Sur la place du village. Ou bien devant l'église, à l'entrée du cimetière. Le tronc creux du tilleul de Cunégonde est si vaste que 6 couples peuvent y entrer et danser. Et si vous faites une tisane, attention, le tilleul a des pouvoirs divinatoires. Et peut-être que vous saurez l'avenir, car avec les corps du tilleul, on rend les oracles. Et vous allez donc pouvoir savoir ce qu'il va se passer maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Première règle du jeu. Ceci déclenche les cantines. Alors, cantine. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent frais. Vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent frais. Vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins. Bravo, monsieur Lacornay, bravo. Alors, deuxième règle du jeu, nous avons un panier avec des dés. Alors, il y a une main innocente. Pioche, s'il te plaît. Quoi? Elle va piocher. Il faut piocher un dans chaque panier. Une et deux. Après, c'est facile, il faut additionner. Alors, vas-y, ouvre le petit papier. 4. Et l'autre petit papier. Ah, c'est un double. Oh, c'est un double. Alors, le double. 4 et 4, ça fait? Autre règle du jeu. 8. Les doubles déclenchent. 4 et 4. 8. Les doubles déclenchent les expressions. Est-ce que vous connaissez des expressions avec arbre? Bah, solide comme un. Mais non, pas solide comme un chêne. Solide comme un chêne. Une autre expression avec arbre? Chêne. Non. S'endormir sur ses lauriers. Bravo. Et c'est l'arbre qui... Qui cache la forêt. Absolument. Et le commun. Le sapin. Sapin commun. Le sapin vert. Quand on est en commun, on a un tronc commun. Voilà.
Alors, Youssef, tu voulais le tirer. C'est pas Yacine plutôt? Yacine. C'est lui, il est vrai. Un de chaque, un de chaque. Un de chaque. Si je retire deux, un de chaque. Un de chaque. Et on associe. Ça fait combien? 3 et 4, ça fait 7. C'est joli. Très joli. De quoi? 1, 2, 3. Alors, le numéro 7 réclame toute votre attention. La forêt de Châteaubriant. Forêt silencieuse, aimable solitude, que j'aime à parcourir votre ombrage ignoré. Dans vos sombres détours, en rêvant égaré, j'éprouve un sentiment libre d'inquiétude, vestige de mon cœur. Je crois voir s'exhaler des arbres, des gazons, une douce tristesse. Cette onde que j'entends murmure avec mollesse et dans le fond des bois semble encore m'appeler. Ne puis-je, heureux, passer ma vie entière, ici, loin des humains, au bruit de ces ruisseaux, sur un tapis de fleurs, sur l'herbe printanière, qu'ignorer, je sommeille à l'ombre des ormeaux. Tout parle, tout me plaît sous ces voûtes tranquilles, ces genêts, ornement d'un sauvage réduit, ce chèvrefeuille, atteint d'un vent léger qui balancent tour à tour leurs guirlandes mobiles. Forêt, dans vos abris, gardez mes vœux offerts. À quel amant jamais serez-vous aussi cher? D'autres vous rediront des amours étrangères. Moi, de vos charmes seuls, j'entretiens vos déserts. Quartier des sables. Oh, merci. Merci, Châteaubriant. Madame. Tirage au sort. Sort. Roulement des tambours. La double. Ah. Un. Un et un. Deux. Deux. Ah, mais c'est un double. Alors, deux ou un double? Deux. Deux. Un peu de baroque. Un drôle de façon de parler du 7e siècle. Alors, l'abeille et la fourmi. Ah, j'aime. Le corps tout transi. Et pour cause, un jour d'hiver, une pauvre fourmi rôdait pleine de soucis. Près d'une ruche bien close, une abeille l'aperçoit et se présente. Que viens-tu chercher ici? Lui dit-elle. Hélas, répondit la pauvre fourmi. Ma chère, ne soyez point en colère. Le faisan, mon ennemi, a détruit ma fourmilière. Mon magasin est tari. Tous mes parents ont péri de faim, de froid, de misère. J'allais succomber aussi quand du palais que voici l'aspect m'a donné courage. Je le savais bien garni de ce bon miel, votre ouvrage. J'ai fait effort. J'ai fini par arriver sans dommage.
me suis-je dit? Ma sœur est fille laborieuse. Elle est riche et généreuse. Elle plaindra mon malheur. Oui! Tout mon esprit repose dans la bonté de son cœur. Je demande peu de choses, mais j'ai faim, j'ai froid, ma sœur. Oh! Oh! Vous discourez à merveille. Mais vers la fin de l'été, la cigale m'a conté que vous aviez rejeté une demande pareille. Oui, vous savez. Oui, mon Dieu, la cigale est mon amie. Que feriez-vous si, comme vous, aujourd'hui, j'allais vous inviter à chanter ou à promener? Mais rassurez-vous, entrez, mangez à loisir. Mais, surtout pour l'avenir, apprenez à compatir au malheur d'une autre. Hercules. Mon sieur de Jussieu. Inconnu. Merci, merci. Alors, Numéro. Alors, lequel? Lequel? Celui-là. Attention. Alors, celui-là, il faut que Isabelle chante. Parce qu'elle est Isabelle. Isabelle, c'est pour toi. Attention. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, 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 hibou, coucou, coucou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Très bien, merci Isabelle. Attention, mesdames et messieurs. Le numéro combien? Le. Non, on s'en fout là. D'accord, le 1. Et le. Tu le mets dans le papa. Et hop, tu prends le 1. Et. 1 et combien? Et 1. Vas-y, on est bon. C'est un double. C'est un double. Mais non, parce qu'un et un, c'est un double. C'est bon. Le 4. Oui, 4 c'est mieux, il faut avancer. Il faut avancer. 4. Le 4. Bonjour, lanceur. Et 7. Ah, très bien. 4 et 5, ça fait 9. 9, très bien, 9. Alors, chérie. 9. Ah, attention. Encore la poésie des sables. Grâce aux propos que j'ai entendus. Alors, et les enfants, venez voir les propos des sables, c'est le moment. Venez écouter, viens. Et les grands. Et les grands. Dans les arbres des sables, il n'y a pas de chèvre. Dans les arbres des sables, il n'y a plus de feuilles. Dans les arbres des sables, il n'y a pas de pommes, de poires et de soubidou. D'olives, de mangues, de noix de coco, de dattes, de figues, de barbarie, de goyaves, de papayes, de citrons, d'oranges, de bananes, de mandarines, de corossol, de noix de sésame, de noix de cajou, de kaki, de haricots. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? Du haricot. Ah, c'est du haricot, il y en a. Il y a un arbre à haricots. Oui, il y a un arbre à haricots dans le... Tu m'as montré le photo qu'il y avait un arbre à haricots. Ah bah tiens, il est... Non mais Cathy, c'est pas un arbre à haricots, c'est un catalpa. Ah bah oui. Et alors en cherokee, catalpa, ça veut dire... haricot. T'étais pas loin, Cathy. C'est un catalpa. Il est où, c'est catalpa? Non, vous le saurez, c'est un catalpa. Catalpa. Voilà, et donc, au quartier des sables, ils ont abattu des arbres. Ça m'a fait quelque chose. Pour construire une salle de boxe. Au quartier des sables,
y a mon sapin. Oh, mon beau sapin. Hein, ça donne quoi ça? Oh, sapin. Roi des forêts, que j'aime ta verdure. On dirait une corde. Bien, oh, Lindenbaum, mon lit d'allemand. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. So grün, nicht nur zusammen sein. Après, je ne sais plus, donc je ne sais pas. Bien, d'accord. Merci, bravo. Donc en allemand, alors, au quartier des sables, il n'y a pas d'oasis. Au quartier des sables, les enfants ont planté des arbres. Au quartier des sables, il y en a qui veulent couper les arbres à cause des oiseaux et de leurs fientes. Moi, j'aime bien lever le nez en l'air et regarder leur danse. Au quartier des sables, les arbres, on les rafraîchit. On leur fait la coupe d'hiver pour qu'ils aient plus d'éclat à la belle saison. Au quartier des sables, il y en a qui ont mis le feu à un arbre. Il y en a qui les griffent, qui les cassent, qui les maltraitent, qui laissent leurs chiens les griffer, qu'ils sont bêtes. Moi, je dis, petit, casse pas la branche, tu lui fais mal. C'est comme si on te cassait le bras. Au quartier des sables, il y a des balcons où sont les arbres. Des rosiers, un citronnier, qu'on habille pour l'hiver. Oh, c'était beau ce qu'on m'a raconté. Alors, monsieur, la suite. Il est quelle heure avec tout ça? Pourquoi d'abord? Combien, monsieur? 4 et 2, 6. 4 et 2, 6. 5 et 6, alors 6. 6. Oh! Attention. Ah! Oh! Non, ah si. Si. Non? Ah! Alors? C'est là. Attention! Arrête de rigoler là! Alors, ça s'appelle. Peut-être parce que c'est une fable du XVIIe siècle de Jean-Pierre Clarisse de Florian, un nom un peu ancien pour dire vieux, mais ça s'appelle Le vieux arbre et le jardinier. C'est étrange ça, vieil arbre et le jardinier. Mais c'est le vieux arbre. C'est la première fois que je peux planter des choux, dis donc, sur scène. Voilà. Ça, c'est au quartier des sables. Voilà. C'est la première fois, dis donc. Bon, voilà. Alors. Donc, le vieux arbre et le jardin. Vous avez compris, c'est moi le jardinier. Ok. Un jardinier. Dans son jardin. Parce que là, ça va. Avait un vieux arbre stérile. Et stérile, ça veut dire qu'il ne peut pas donner de fruits. C'était un grand poirier qui jadis fut fertile, mais il avait vieilli. Ah, tel est notre destin. Le jardinier ingrat veut l'abattre en matin. Le voilà qui prend sa cognée. Au premier coup, l'arbre lui dit. Ah bah oui, dites donc, ça fait peur. Ah bah c'est du théâtre, allons-y, oui. Respecte mon grand sage et souviens-toi du fruit que je t'ai donné chaque année. La mort va me saisir. Je n'ai plus qu'un instant. N'assassine pas un mourant qui fut ton bienfaiteur. Je te coupe avec peine, répond le jardinier. Et j'ai besoin de bois. Alors, gazouillant à la fois de rossignols, une centaine s'écrie. C'est les rossignols. Voilà. Ah oui. Alors, je suis rossignol maintenant. Voilà. Épargne-le, nous n'avons plus que lui. Lorsque ta femme vient s'asseoir sous
Pas d'applaudissements. Le jardinier les chasse et rit de leur requête. Et il frappe un second coup. D'abeille, un essaim sort aussitôt du tronc en lui disant. Un essaim, une abeille, c'est moi. Ah, c'est une abeille. Hop, attention. Hop. Ah oui, non, c'est ça. Ah, tout ça. Ah, tout ça. Ah, ah oui, oui, ce soir, c'est tout. C'est la totale. C'est la totale. Ah ah ah. Vous la demandiez, vous la réclamiez. Le dard de pollen. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Je tiens. Tout tient. Tout tient. C'est bon. On y va. Arrête. Écoute-nous, homme inhumain. Si tu nous laisses cet asile chaque jour, nous te donnerons un miel délicieux dont tu peux à la ville porter et vendre les rayons. Cela te touche-t-il? Ah, c'est de vous à moi. Hop. J'en pleure de tristesse. De tendresse. Réponds l'avare jardinier. Et que ne dois-je pas ce pauvre poirier qui m'a nourri dans sa jeunesse? Ma femme, quelquefois, vient ouïr ses oiseaux. C'en est assez pour moi qu'il chante en repos. Et vous, qui daignerez augmenter mon aisance, je veux pour vous de fleurs semer tout ce canton. À toi. Cela dit, il s'en va, sûr de sa récompense, et laisse vivre le vieux tronc. Comptez sur la reconnaissance. Quand l'intérêt vous en répond. Vous avez compris le truc? Non, c'est compliqué. Alors, allez, je vous raconte. Les abeilles, en fait, elles font du miel et puis comme ça, il va pouvoir vendre pour gagner un petit peu de pognon, tu vois, dans les marchés. C'est pour ça qu'à partir du moment où on rend service à quelqu'un qui nous donne un peu de pognon, et ben voilà, on se veut, on va se marier ensemble. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que ton intérêt va être de vous mobiliser comme ça. Beaucoup de miel. Ce jardinier, hein, dit-on. Très bien. Ok, ah, bravo. Ah, bah, on apprend la vénalité au quartier des sables. Ah, monsieur. Alors, pas encore pioché. Un de Jacques. Six et un. Mon beau-père. Deux. Ah oui. Un six et un deux, ça fait. Six et deux. Ça fait 8. Ah, 8 millions. 8. C'est là. 8. C'est la chanson. Ah, encore de la poésie des sables. Oui. Oh, très court. C'est très très court. C'est pour celle qui a un bonnet rouge. Bordeaux. Par la fenêtre, je vois des arbres. Je suis dans la nature à la campagne. Et l'hiver survient. Je me retrouve en ville. Les feuilles tombées ne me cachent plus le centre commercial. Oh là là, il y fait pas bon d'aller chez Isabelle en hiver. Moi je vous le dis. Alors, une cantine. Vas-y, choisis. Je choisis. Attention. Ah bah vite. Voilà. Attention, compte sur vous tous. J'ai descendu dans mon jardin. Pour y cueillir du romarin. Encore un spiral romantique. Gentil coquelicot, mesdames, nouveau. Je n'en avais pas cueilli trois brins. Il y en a qui a tout piqué son brin. La rossignol vint sur ma main. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Alors la suite, ça dit que les hommes ne valent rien, les garçons encore moins bien. Allez, on va laisser l'illusion. Ah, monsieur, attention, le prochain, attention.
C'est très très grave. L'heure est très grave, mon cher. Comment il s'appelle? Thomas. Attention, oh, Thomas. 2 et 3, ça fait. Bravo, monsieur. Attention, 5. C'est drôle. Ah mon dieu. 5. La chanson. Non, non, c'est pas la chanson, ça va être encore plus drôle. T'as plus de voice, t'as plus de voice. Oh, c'est The Voice. Qu'est-ce que c'est? Ah, oui, ça c'est parfait. Ah, ça c'est parfait. Attention, nous avons créé rien que pour vous le Quartier des Sables, la légende du Laurier. Une mythologie feuilleton dont le nom aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle Sous le signe de l'amour. Santa Barbara, la 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 pour moi, c'est ça? Non. Le quartier des sables, tu me diras comment on peut trouver l'amour. Oh, ok, alors j'ai besoin de 5 personnes. Cupidon. Cupidon, dieu de la... En 8 épisodes. Et pour terminer, on va chanter une chanson. Allez. Alors, nous comptons sur votre participation généreuse pour répéter quand nous vous faisons signe. C'est facile. Sur un poème de Robert Desnos. Sur une musique de Coxy, originale. 3, 4. Il était une feuille avec ses lignes. Ses lignes. Ligne de vie. Ligne de vie. Ligne de chance. Ligne de chance. Ligne de cœur. Il était une branche au bout de la feuille. Ligne fourchue. Ligne fourchue. Signe de vie. Signe de vie. Signe de chance. Signe de chance. Signe de cœur. Il était un arbre. Il était un arbre au bout de l'été. Au bout de là, branche, un arbre, signe de vie, signe de chance, signe de chance, signe de cœur, cœur gravé, percé, transpercé, un arbre que nul jamais ne vit, cœur gravé, percé, transpercé, un arbre que nul jamais ne vit. Il était des racines au bout de l'arbre. Racines. Vigne de vie. Vigne de vie. Vigne de chance. Vigne de chance. Vigne de cœur. Au bout des racines. Il était la terre tout court, la terre toute ronde. La terre toute seule au travers du ciel, la terre. Cœur gravé, percé, transpercé, un arbre que nul jamais ne vit. Cœur gravé, percé, transpercé, un arbre que nul jamais ne vit. Merci la Reine des Neiges, bravo. Oh oui, elle a toujours rêvé de la Reine des Neiges. Pour l'encourager. Voilà. Et pour terminer, un dernier poème du Quartier des Sables. Eh bien, ce soir, je repars. Ce soir, au Quartier des Sables, je rapporte chez moi des souvenirs, des sensations, des odeurs, des impressions. Merci à Cupidon, merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Bravo, bravo. Ciao, ciao. Prenez soin de votre spirale aromatique.